Enfin, l'arrivée du trailer officiel de Rockstar qui nous provient l'extension de map. On peut voir de nouvelles villas superbes, magnifiques, une nouvelle ville exotique. On peut aussi voir un magnifique bateau qui arrive sur l'île, un avion qui atterrit sur l'île. Et on passe maintenant à la partie braquage plus sérieuse. On pourra acheter un sous-marin, du coup, c'est bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le DLC sort le 15 décembre. Yo tout le monde, c'est Broky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du trailer qui nous confirme l'arrivée d'une extension de map sur GTA Online le 15 décembre. Du coup, comme vous aurez pu voir au début de la vidéo, quand on lance ce trailer, on pourra déjà commencer par voir un avion qui atterrit sur notre fameuse île. Et après on peut voir aussi des bateaux qui arrivent sur l'île. Ça c'est je pense qui nous confirme qu'on pourra passer de l'île de Los Santos qu'on a déjà depuis très longtemps sur GTA Online. Et on pourra passer sur cette fameuse île du coup en prenant un avion. Je pense du coup ça sera un voyage rapide. Ou alors on pourra y aller directement nous-mêmes en bateau. Du coup je pense qu'on sera pas obligé d'être en braquage pour accéder à cette île là. Aussi en deuxièmement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île aussi qui va nous servir bien sûr à réaliser un braquage pour piller le plus grand dealer de drogue en fait de GTA V. Et ça va nous servir à piller ce dealer là, voler que ça soit des tableaux ou de l'argent sale ou de l'or, voilà les potes. Du coup ça sera vraiment je pense un DLC énorme, mais ce qu'on sait déjà c'est que Rockstar nous dise pas tout en fait sur ce DLC là. En fait je pense que ce DLC est déjà énorme en voyant ce qu'il y a. Mais en fait comme vous avez pu le voir, on a eu des indices au casino qui nous montrent qu'il y aura deux DLC en un. Du coup ça ce que Rockstar nous a montré c'est que la première partie du DLC je pense. Aussi maintenant on passe quand on était en fait aussi sur le trailer. On a pu voir aussi un nouveau véhicule qu'on n'a pas de base sur GTA Online. Du coup c'est aussi un nouveau véhicule, un indice d'un nouveau véhicule qui va arriver pour le nouveau DLC de la mise à jour de 1.52 qui va arriver en décembre, que ce soit sur PS4, Xbox One ou PC, ok les potes. Du coup les potes, à partir de maintenant, ce que je vais vous faire, je vais vous lire l'article officiel de Rockstar sorti sur leur site Rockstar New. Du coup Rockstar New, c'est le site de Rockstar Game permettant d'annoncer des nouveautés aux joueurs sur GTA Online, ok les potes. Il est temps de faire monter les enjeux comme jamais. Vous avez aidé un espion à s'évader du pénitencier de Blogging Brock. Vous avez sauvé le monde d'un milliardaire égocentrique. Vous avez raflé la mise en dévalisant la chambre forte d'un casino. Cette fois-ci, vous vous attaquez à une île entière. Préparez-vous à infiltrer la base du plus grand trafiquant de drogue du monde sur une île lointaine, dans la mise à jour la plus vaste, la plus audacieuse et la plus intense de Grand Theft Auto Online à ce jour. Le braquage de Coyo Perico. Trouvez un moyen de vous introduire sur Coyo Perico, l'une des îles privées les plus sécurisées du monde. Évitez ou neutralisez les agents de sécurité lourdement harnais, qui y patrouillent sans relâche. Puis échappez-vous avec de précieuses preuves compromettantes et le maximum d'œuvres d'art, d'or ou d'argent sale que vous pourrez transporter. Choisissez vos outils, choisissez votre approche, choisissez votre équipe et allez-y entièrement en solo. Votre seule obligation, revenir à Los Santos en un seul morceau. Le braquage de Coyo Perico est la plus grosse aventure de GTA Online à ce jour. Elle propose un nouveau braquage dans un lieu exotique et inédit. Une nouvelle approche permettant de réaliser le braquage entièrement en solo ou jusqu'à 3 autres joueurs. De plus, vous pourrez mettre la main sur des armes tactiques et de nouveaux véhicules inédits. Vous découvrirez un nouveau lieu pour danser et faire la fête avec vos amis et de nouveaux DJ mondialement connus. Et vous pourrez écouter plus de 100 nouvelles chansons sur des stations de radio qui viennent d'arriver sur les ondes. Sans oublier que vous pourrez acheter un sous-marin très imposant, très polyvalent et très lourdement armé qui vous servira de QG et vous réservera plein d'autres surprises. Préparez-vous pour le braquage de Coyo Perico et ne manquez rien des prochains détails à venir. Du coup les potes, c'était tout pour ce texte officiel sur le site de Rockstar New. Vous retrouverez toutes les infos en description de cette vidéo, ok les potes. Du coup les potes, si vous n'avez pas compris certaines parties, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Du coup les potes, on va c'est cela pour cette vidéo. N'oubliez pas de m'exposer à la barre des likes. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Du coup les potes, on va c'est cela pour cette vidéo. C'était Broky, bye bye.